Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Guinée au sang, ses hôpitaux, la imata chez notre aîné. Plus précisément la carte de Washington. Balobi maman Marthe Nde. Maman Marthe Nde. Balobi shop Africa Union. Mais toi, t'es un gnosso. Biloko yaye. 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 Bio Africa Union et toi t'es tout à coup on a pas six mois sinon vous voyez pas y'a sinon vous voyez rien mon combo t'es quoi là t'es quoi alors t'es quoi bio y'a mboka y'a fresh y'a bio bio na bio bio na bio si on a mamba yo pula mon kanja isali barubi njombo y'a li en kuba paniwa barubi njenge isali y'a komba kanja y'a mboto y'a mbisela barubi nyama y'a mboto y'a mboko mboto y'a gane kala ngando n'est la lani na basi na sutu eza kodia na peti po maman mande ya solo po bato comprendre te mawa ba kongore u alonu po na kodia na bino moko ba kode ya dino kalinyo kodia na apeti Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de suivre Critique Info, premier numéro. La rentrée parlementaire de tous les enjeux, que Dieu nous protège de la catastrophe. Eh bien, j'en parle dans la deuxième partie. Pourquoi je le dis? Parce que j'estime que ça sera le soir et que tous les parlementaires seraient déjà rentrés chez eux à la maison. Ils pourront certainement suivre cette émission que je leur dédie, au fait. Je demande aux sénateurs, aux députés de bien vouloir suivre ce numéro afin de pouvoir comprendre beaucoup d'autres choses. Mais tout à l'heure, là, je voudrais parler d'un sujet qui touche notre vie de tous les jours, surtout à Kinshasa, mais on va essayer un peu d'aller un peu plus loin dans toutes nos provinces pour en parler. Mesdames et messieurs, beaucoup penseront que ce sujet était un sujet provocateur, mais en réalité, ce sont les faits qui sont provocateurs. Le fait, tant qu'ils ne changeront pas, les effets seront les mêmes. Nous continuerons à protester, nous continuerons à imaginer, nous continuerons à penser, à réfléchir. Peu importe ce que ça va coûter, on continuera à le dire. Parce que devient un peuple si plus personne n'ose dire la vérité? Sans insulter, bien sûr. Que devient un peuple si le silence devient la norme et si la vérité doit être prisonnière? La vérité ne peut pas être fugitive. La vérité ne peut pas être clandestine. La vérité devrait marcher en principe dans nos rues, tête haute, poitrine bombée. Et que le mensonge devrait certainement entrer dans les caniveaux. Mais cet inverse des choses nous détruit, nous angoisse, et c'est très dangereux pour un pays. Mesdames et messieurs, la lecture des informations tout à l'heure. Congo Nouveau, le FCC vise la tête des Kankonde. Je parlerai dans la rentrée parlementaire parce qu'il y a beaucoup de plans qui sont en jeu, il faut le dire. La Plume, office de gestion de fret multimodal, Saïba prépare une rébellion contre Fatshi. L'avenir, Ilukamba va sécuriser les élus du peuple au cours de l'ouverture de la session de septembre. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, encore une fois de plus, Mbote, Nabino, Boza Kolanda Bisso. Mitunami Balé, Kaka, na émission liboso to na ko sala sika ya liboso ezali ko tala bande ko na biso ba wewa modelo ba ko tambola na kisasa ezo bangisa ezo pesa mo kele pe to ali ko mitu na soki réellement mboka oyo ba kambi ba ko kamba yango to ba ko kamba mboka te to lingite to créer mboka moko ya intouchable to lingite to créer mboka moko ya couche de société moko ba ko simba ngote. Wana zali ba politicien na ba to ba kolukaka ba voix nde ba landaka lolenge wana. Aujourd'hui les gens ont peur de regarder les de parler au wewa. Ça c'est depuis très longtemps, vous le savez. Depuis très longtemps le wewa, ceux qui ba comment le comportement au bazaka nango lelo, c'est parce que les pouvoirs publics
depuis la nuit des temps, le pouvoir public est comme ça dans la situation wana. Bango ne ba bersa bango, ba toléra bango, ba comprena bango, et ces gens-là marchent à l'encontre de la loi parce que ba yebi que aucun pouvoir ne peut se lever contre bango parce qu'il constitue une force électorale. Or, nous sacrifions le devenir d'un pays, nous sacrifions les textes d'un pays parce que tout ça a besoin électoraux moro quelconque. C'est une anarchie. Or, la République est un remède à l'anarchie. On ne peut pas, dans une République, supporter, tolérer l'anarchie. Togo comprendre Rangote. Et vous savez, mesdames et messieurs, Moutakote, les Melabawe, Wana Kinshasa, Azate. Le problème, c'est que personne ne peut ignorer l'apport aussi considérable. Il y a Bande Konabiso, Wana, ou Bande Makabamoto. Bande Konabiso, Kumbakabamoto. Bazo et des pays où vous n'avez aucune idée. Aujourd'hui, le gouvernement peut tomber. Bah, impact c'est dango et vous avez cassé mingité. Mais ceux qui bah ouais, bah ça les grèves, bah autant pour la soutenir à Kinshasa, une ville sans moto, nous on ne vivra pas. La ville sera paralysée. En fait, ces gens ont une importance telle que bah là tellement prioritaire dans Bokanabis au point que beaucoup imaginaient. La ville peut être paralysée. Ceux qui bah ouais, wana, bah ça la thé. Mais cela ne veut pas dire que Batobatika mboke keneka na loenge bongo parce que bawe wafiki batomoki ozala mabe. Moi je suis le premier à reconnaître le travail, à reconnaître les efforts de Wewa, à reconnaître leur contribution dans le pays. Ils contribuent un peu plus que le ministre, un peu plus que certains députés, un peu plus que Bakambwebele parce que bango bazana na vie n'ébiso quotidienne. Naissance à Wewa et le Wewa sont une réponse. Bazana réponse na précarité à société n'ébiso. Nous n'avons pas d'infrastructure sérieuse pour accueillir les voitures, les véhicules et toutes sortes d'automobiles. Tout ça, ma casse est aux bango penzate. Nous n'avons pas des infrastructures. Il y a certains coins dans le Congo, ah ouais, babalabala et koufa, moi tout comme ma place on a ezate. Je ne vous parle pas d'abord de l'insuffisance des véhicules, il y a transport public. Beaucoup imaginez, nous sommes nous dans le Congo, ah ouais, tout ça là. Insuffisance, il y a pas mis tout cas pour le transport en Abisso. Et ça m'inquiète. La population est tellement ébellée, la demande elle est forte et qu'elle offre est minimisable, mais très minimisable. Donc, en principe, ce qu'il faut, c'est un bus, un lobby qui fait un bus, mais au moins 17 pour un siège, au moins 17 à 20 personnes. Bah, tu peux extrapoler. Un siège, il y a un bus, un siège, il faut au moins 30 ou 32 personnes. Ce quoi, imaginons que nos bus qui ont la capacité, par exemple, il y a 30 personnes, mais en réalité, bus, ils doivent répondre dans la question, il y a transporté. Parce qu'il n'y a pas eu de planification, il n'y a jamais eu de planification. Tant que l'arabie soit transco, il n'y a eu aucune étude profonde, il y a planification. On n'a pas planifié, on n'a rien fait, on n'a pas fait de projections, on est allé dans le souhait. Tout ça, c'est un spectacle parce qu'il faut faire le pouvoir pour le maquillage. Et là, les autorités qui ne sont là que pour l'inauguration, les autorités inaugurales, moi je parle de cette manière, il faut vouloir qu'on inaugure Biloko. On a vu l'ancien premier ministre, dont vous connaissez tous les noms, passer cette histoire en pompe. Bah, bus, c'est 500 bus, 750 bus. Mais si vous mettez 500 bus à Kinshasa, c'est rien du tout. Ça ne règle aucun problème. Au contraire, ça ajoute des conflits inutiles. Mais comme on est habitué, là, commençons d'abord. On a toujours commencé, mais on n'a jamais fini. Le plus important, ce n'est pas forcément de commencer, mais c'est d'avoir l'idée de finir. Parce que ça ne sert à rien de commencer et de ne pas finir. Les œuvres inachevées ne sont pas des œuvres à considérer. Bah, il faut pas considérer dans ma œuvre, il faut qu'on ait une vision dans ce que vous faites. On n'a eu aucun plan. Il y a entretien, maintenance, le recrutement était mal fait, tout était bricolé, bon, faites vite, et qu'il n'y a pas bongo. On a dit que bon, Torbenga va bah, transport, qui sont ceux-là qui ont conduit ces véhicules-là? Ce sont les mêmes personnes qui ont conduit l'esprit des morts. Bango walande batona ba koma ki na transco ba cousin de ba frère de ba petit fils yaboy quelques militants des partis politiques en perte de vitesse en perte d'imagination batona de ba yaki sans compétences requises rien du tout il y en a qui n'ont même pas fait l'école de conduite et l'autre comme côté
Ils n'ont rien fait, pas d'auto-école, mais rien du tout. Bangonde, Bango Kumba Matransko. Alors que les chauffeurs de l'État, pour la plupart des cas, dans le chômage, mais bateau, Bangi, ma petit frère, ma cousin, bateau, Bangonde, Bazu Matransko. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que l'esprit de vie est devenu un esprit de mort, et l'esprit de mort continue à vivre. C'est là le scandale. Et ce n'est pas de moi. C'est une, je vais pas parler d'une illustration, mais dans une sorte d'illustration, il y a professeur Agbada. C'est le prof Agbada qui estime que manque à planification et ça qui est l'esprit de mort est vivre et que l'esprit de vie est koufa. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Les esprits de vie, tous, c'est koufi. Pour la plupart des cas, c'est koufi. Mais tous les autres, c'est un cercueil. C'est scandaleux quand même. Qu'un côté, là, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus d'esprits de vie dans les garages parce qu'il est tombé en panne que dans la route, que dans la rue en train de circuler. Mauvaise manière à gérer, mauvaise gestion, nango, mal gouvernance, nango, tripatouillage, nango, détournement, bon, makambo belé, opacité dans la gestion, tout est allé dans ces conditions-là. Et mituka et koufi. Si que ma moto na eko bimawana, ma moto eko répondre à la précarité à transport na biso, précarité à route na biso, mais aussi naissance ya ma cité moussoussou. Ma quartier spontané, ma ville spontanée, tout ça est créé demande. Parce que vous savez, lorsque vous n'avez pas préparé le pays, vous avez préparé l'échec. Et nous, on a préparé le chaos. La RDC, pendant 20 ans, a préparé le chaos. Au point que ceux qui Mobutu a secoué l'eau. Maréchal Mobutu, ceux qui a secoué l'eau à Yéna Kinshasa, il ne se retrouvera pas. Bah, architecte, bah, c'est là, Kinshasa. Ceux qui va secoué l'eau, bah, époque à Belge, voilà. Ceux qui va le premier maire de la ville, Yakin. Ce blanc-là, s'il arrive au Congo, il peut faire une crise. S'il est encore vivant, bien sûr. Il peut faire une crise. Il peut mourir. Et on dit, mais c'est pas possible. On a laissé Kin la belle, aujourd'hui c'est Kin la poubelle. On a laissé une ville, aujourd'hui c'est une sorte de bidonville. Et moi je le dis, tout en a bidonvillisation. Il y a ville de Kinshasa. Banlieue n'est Kin. Kin est comme il y aura banlieue Moroboué. Parce qu'en réalité, beaucoup de quartiers est botami de manière spontanée. Or, lorsque les quartiers naissent de manière spontanée, et créa ka oba urbaniste, on a urbanologue, ba benga ka des villes pathologiques. Nous tombons donc dans la pathologie, il y a ville, il y a Kinshasa. Et comme il y a pas problème, ébélé. Au en a carte, tu ne sais pas retrouver une cité qui a comme ça 100 000 personnes, qui a 40 000, 90 000 personnes, mais la cité n'existe pas dans la carte de Kinshasa. Tu te poses la question, mais est-ce que cité en Ezali Ezate? Ça veut dire, même dans la cartographie, il y a des cités qui sont nées, dont on ne connaîtra jamais l'origine. On ne connaîtra jamais la population. Très bien, Ngote. C'est scandaleux quand même, non? Ma moto, on est où tu suis au bongo? Ma moto, c'est quoi? Il y a limite à un moment, à un niveau, on a, pour leur permettre, bah, te moutou soubaya. Il y a des gens qui, avant, foutent dans nos transports et à moutouka. Il faut déjà foutre dans deux transports et à moto. Ça veut dire, il y a un vers un autre point. A foutu 500? Or, vous avez mis ça quoi, on a pas la bim, on a balabala, penza, 500 lissous. Et donc, vous avez commencé à 1000 francs que quelqu'un a perdu sur une moto. Pour venir, prendre un transport qui va lui coûter aussi 2000 francs. Moi, je me rappelle que j'étais à Kinsuka. J'ai vécu à Kinsuka une période de ma vie. La Kinsuka. Mais j'ai dépensé comme ça 3000 à 4500 pour aller dans un boulot où on ne me paye pas. Est-ce que vous imaginez le scandale? J'y vais dans des conditions, les biques, m'en foutent en gâté. Ou bien, m'en foutent en gâté, m'en foutent en l'obité. Mais j'ai dépensé comme ça pratiquement tous les jours. Les gens vont se poser la question, mais tu avais l'argent où? J'avais l'argent en dehors de l'entreprise. Il faut faire un coup de main par-ci, faire un coup de main par-là. Pourtant, Balaba, les mecs, ils sont clairs. Mais les voitures ne veulent pas entrer là-bas parce que Balaba les a mabés. Même les véhicules ne pourront pas aller là-bas. Donc, c'est les motos qui y vont. Et ces motos qui vont là-bas, c'est difficile, moto par moto, au Komakuna. Donc, tout ça, c'est pour montrer l'importance, bien évidemment, il y a ma moto dans Kinshasa. Mais d'un autre point, mes frères, ce que les motos font à Kin, mais c'est scandaleux à la fin. Bande konabiso ma moto, bosungi biso tondimi. Bande konabiso ma moto, bolingi biso mingi tondimi. Je n'ai pas encore signalé que ma moto paye d'arabiso dans l'embouteillage. Les embouteillages bidons, suite. Nani ni l'embouteillage nabiso. Balaba les amabé, oui, on veut bien. Mais au-delà de tout, bah roulage peut marquer l'embouteillage, ça on le sait aussi. Mais au-delà de tout ce que l'on dit, c'est l'homme qui conduit le véhicule qui est le premier facteur d'embouteillage. Incompréhension, tout le monde est pressé, la rapidité inutile, batou dans la civilisation terre, des gens qui se comportent comme des véritables broussiers.
Ça dit mouton t'es mon balabala mon mitou, mais ça fait qu'est-ce que c'est un monsieur? C'est un homme. Mais c'est, on va dire c'est un peu comme je sais pas moi, vraiment comme un singe. Mais t'es mon balabala. Avons violé le code de la route d'un modèle dans l'Ognos. Certains embouteillages sont dans des embouteillages liés à l'éducation et à bateau. Éducation seulement. On sent que le monsieur n'est pas éduqué. Il n'est pas ordonné. Il n'est pas patient. Il n'est pas poli. Il n'est pas courtois. Il n'a pas la connaissance. Il y a balabala. Pour place à Zou, permis de conduire. Et banité, permis de conduire Moutelandie. Na Congo, permis de conduire la Batou. 100% est congolais. Au coup, 80%, 70% est permis de la Bango place Bazalaka. C'est-à-dire, bah, si même bah, empreinte na Bango, quand je suis en train de le dire, place Bazalaka, bah, Miyebi. Kengana Kenda. Donc, je vous roule dans le télémissaire dans Zela. A tout ne même pas au clignoté à gauche ou clignoté à droite. A tout ne même pas au permis de conduire ou à Picao. Il ne sait pas. Parce que Batinda y a Tinda Moutunde y a Tinda. Il y a des bateaux. Oh, Banana m'a permis de conduire avant Baïba repousse à Moutou. Qu'est-ce que vous pouvez imaginer? Le permis de conduire est précédé la connaissance de la conduite. À partir de quoi? Bon, on permet quoi? On te permet quoi? Le document s'appelle permis de conduire. C'est un document comme une sorte de diplôme. C'est après avoir étudié la conduite de la route, après avoir été formé pour conduire, l'État se rassure que tu peux conduire, tu n'es pas un bandit. Tu n'es pas un voyou, l'État te donne le permis. C'est une permission. L'État dit, bon, c'est comme une licence. Sous notre ciel, on peut appeler ça licence de circulation. On te permet de conduire. On dit, bon, voici, on te permet de conduire. L'État te permet de conduire. Voilà pourquoi même quand tu commets une infraction, quand tu commets une contravention ou quand tu tues quelqu'un en route, l'État se rend compte qu'il y a eu un accident. On appelle ça un accident. Parce qu'on s'est dit que la personne a étudié le truc. Il ne peut pas que tout amoutounanko. C'est un accident. Il y a d'office des circonstances atténuantes. Pour la moutouana, ça dit, accident, c'est supposé que aïe le pousse à moutouka. Mais dans le Congo, ils avaient accidenté. Dans le Congo, on a des meurtres, des assassinats dans le Congo. Parce que quelqu'un qui n'a pas fait le permis, qui n'est pas passé par l'école, qui n'a pas passé son permis, Motoana le qui n'a permis n'a été, a eu permis. Vous pensez niquer ça. Attends, vous en moutouka. Mais vous avez donné un bandit, vous avez donné un assassin, il va occasionner beaucoup plus de meurtres dans Balabala que n'importe quoi. Est-ce que vous avez vu qu'il y en a 2013, 2014, 2015, tout le monde a couffé dans Balabala sur le tendu de la République et l'équipe de la SIDA? Tout le monde a couffé dans la SIDA. Est-ce que vous avez vu que les morts de circulation étaient tellement de volume dans le Congo que vous n'avez aucune idée? Et d'ailleurs, pour vous donner des statistiques, vous avez dit que vous avez combien de bateaux va perdre ma boko na bango, mission na bango, va perdre ma membre en na bango, monsieur va bien là-bas AVC, Lucolo est un monsieur, un délinquant qui était en train de conduire, ah, les gars, même pas dans l'école. Alors, quand vous avez le maximum de délinquants dans la route, on va aller qu'on a moutou, qu'on a boutou, et ben, on va oncle na bango, ben, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Sauf qu'on a collé si moutou, moutou, qu'on a d'un, qu'on a d'un, pousse. Je prends ma femme, je dis, bon, je t'apprends à conduire. Dans l'accès Moutouka, dans l'accès Moutouka. Après, la PC a permis de conduire. Ça ne vaut pas pour l'État. Ça ne vaut pas. Parce que je ne suis pas attitré. Pour l'accès Balabal. Mais c'est attitré. Et ça, le coup, on a le droit. On a le droit, 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 ça n'a aucun sens. Mais c'est ce que nous avons fait. Alors, Bambouteur, joue à la paix, n'est dans le bas, et permet à la paix. Que mais ce que nous voyons est c'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Les Wewa se conduisent très très mal. Les Wewa se comportent très très mal. Les Wewa se conduisent et conduisent mal. Eux-mêmes se conduisent mal dans le comportement de Bangomoko. Ils conduisent très mal leur vie. Eux-mêmes conduisent très mal. 80% de Wewa baza certainement va charlatan, certainement des assassins à qui on a donné la permission de conduire. C'est vrai que Christian attaqué Bisson. Non, je commençais par reconnaître ma importance Nabino. Nabandi ko reconnaître Moussa Labino vous ça là. Mais bandi ko côté on a peine à bobé ici. Côté on a peine à bourou kenango mabé à ko sakanaté. Balabala net ya bokasa, je sais pas si ça ya bokasa ou bien balabala mokoza côté kabamba wana. Tout le monde a dit que ça sens unique. Mais parfois on se pose la question, mais n'est-ce pas une naissance unique, en tout cas. Vous savez mes frères, moi j'ai fait 5 ans à l'université de droit. À un moment donné, je me posais la question, ce qui est grand dans la zone, il va me bien congoter.
Vous savez que plus ou moins chaque jour, tu te dis même, oh, est-ce que côte de la route, peut-être qu'il y a un moto, on a mis tout le monde dans le monde. Moi, j'étais à un moment donné convaincu que ma moto, la côte de la route, ouais, bango moko. Parce qu'il y a des choses que ben de quoi on va se la faire imaginer. Ben lui, ben là, sens unique. Mais au moment la moto mon côté, non, c'est la règle maintenant. C'est toutes les motos qui passent par là et sans gêne. Les policiers sont là, bazo mona, ils voient que bateau perdent, bazo nini l'État, bazo violer la côte de la route. Le policier ne va rien dire. Surtout les policiers, oh, baza balouba. Et on commence à profiter aujourd'hui. Moti koko sabiso que baza balouba, l'okuta, même à l'époque à Kabila, baza y pika bongo. Baza y baswahili. Arrêtons ça. On a vu un secrétaire général d'un parti ici aller donner, offrir des casques dans ma moto, sans civilisation. Sans leur dire même que non, bande koba casque, ça pour la bine importe. Non, ils ont profité dans la élection, basa la yongo modèle ouana, sans communiquer, sans parler à nos frères. Nous, nous demandons le respect des textes. Tout simplement. Ce qui est bien, alors, c'est quel pays qui ne peut pas voir ça? C'est quel pays qui ne peut pas ouvrir l'œil pour que la toya liwa ou dans la balabala occasionné dans la bandeau ouana? Est-ce que vous savez qu'il y a un zéla matadi? Ma moto est celle qui long trajet ouana. Même deux, trois personnes dans la simanaï. Son couteau n'a remorque à Koufi. Ouana, pour le constater des gars. T'as essayé les qui? Mon remorque à ça souvent beaucoup t'en a des corps jonchant le sol épuisé dans ma kiné na bango ba ton na koufi et nous on est là que pour compter des morts hein ba koufa qui 2 ba koufa qui 3 ba koufa qui 4 non la responsabilité de l'État c'est de protéger sa société c'est de protéger bato parce que quand on va faire appliquer la loi et qu'on a la peine avantage il y a ba moto ba lobi bien ba tie panneau ba lobi car awa limite na ngodali 40 km en l'air. 40 km de vitesse, pardon. Mais au moment où on a une moto avec le corps, on a 60, on a 80. Avec tout on a été, sans casque, on a mis 4 personnes dans la cima. Mon colibosso dans le réservoir, mi balé ou bisa tout dans la cima. Bango dans le tambour. Alors on se pose la question. L'État est modèle Nini Wana. C'est quel État qui ne sait pas ouvrir l'œil pour le protéger Bandeko Wana? Parce qu'il ne constitue pas un danger que pour la Tumtusu. Même pour la Bango Moko. C'est des vies qu'on est en train de perdre. Le gouvernement, que dites-vous dans la situation, Anna? Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Ozolo Banini, monsieur le commandant de la ville, Ozolo Banini, le responsable et la PCR, Ozolo Banini, vous attendez quoi en réalité? Vous attendez que le président de la République vienne de venir au roulage, n'est-il pas Kabamba, on a régulé la circulation? Ou vous avez peur que ceux qui botent les messieurs, la force reste à la loi. Et c'est à la loi de garantir sa force. Bandeko wana pour la plupart des cas. Est-ce qu'ils ont des permis de conduire? Pourquoi chez nous, il n'y a pas de permis de conduire pour ma moto? Comment vous reconnaissez que telle moto, non, les motos sont une moyen de communication. Et un moyen, pardon, de transport. De la même manière, Namutuka. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Moi, je regrette beaucoup. Je regrette beaucoup. Il y a un moment Kinshasa, Nambo Kanabiso, c'est scandalé à la fin. Au moment de Moutouya Moto, Moto est un moment. Moto, ça la moto. À l'écuyo, Moto pousse à moto. Nakoye ba moto. Pour Moto, ça la moto. A ébi utilité Nango. Au Mondele a tchate na moto. Et l'importance c'était. Yozu moto a ou tient musique na moto, ozu moto bambi ango ba jeu de lumière, ozu est-ce que vous avez quelque chose de lumière ou ana? Tombe ma lumière robin moto na moto ana. Est-ce que vous savez que ça peut embêter l'autre conducteur? On va juste les bosser na yo. Ce n'est pas pour rien que batia ba faire à 100, batia ba faire à 50 pour quoi? Et dans la utilité nango. Ba rétroviseur ya moto et dans la utilité nango. On retourne na moto tout rétroviseur yo. Mais c'est pas possible. Ton rétroviseur t'aide à regarder derrière pour monter la position moto dans la simanayo. Mais tel moto mon sinon mon moto moro le quoi jeep. Ne quoi na tiba bikela kela biloko e belé na moto et alourdir même moto nayo. Et quand même qu'on pêche aux virage mon sous. Parce que baxi biloko fallait pas baxi la moto wana. Mais baxi ango. Qu'est-ce que fait l'État? Dans moment où on a. L'État ne peut pas reprocher aux gens ce que lui-même n'est pas en train de faire. L'État a mis sur le contrôle technique. Mais voiture, il y a ma B. Tout le monde peut voir qu'en panne, des voitures et la police.
L'État a dit que tout ça a un contrôle technique qui est mais tout a besoin de la propre, mais tout a besoin de la bien. Mais il y a mon commis tout a un rétroviseur, il y a mon commis tout a un clignotant, il y a mon commis tout a besoin de négocier un frein. Il y a Fimba Kuna, il y a le Fimba Simba. Bon, mon tout a un modèle, on a un canal. Bon, le bien de la ceinture, il y a besoin de ceinture. Bon, le bien de la ceinture, il y a un policier qui a un cinglé. Maintenant, tenu qu'à la pantalon, qu'à la mais en cinglé. Alors dites-nous un peu, comment Mme Dokine Binomoko, vous avez violé le code de la route pour rien. Binomoko, vous avez violé le code de la route Nankonios. Bah, mais tout comme ça, les Kawana Aboué. Moukou, vous avez la quantité, hein. Chef Azate. Mais chauffeur Yemoko, à la rendez-vous de Mossi, il a fait la copine, il a fait un gyrophare. Pour rien. Le roulage qui est en train de réguler la circulation, c'est un moment où le gyrophare modèle, on a l'obini. C'est un moment où la quantité. Allez, battez votre bamboutéage pour rien aligner les canakatinango. Est-ce que vous comprenez que c'est quand même un scandale qui se fait dans Bokonabiso? Nul n'a dit que le ministre avait le droit de violer le code de la route. Personne n'a dit que même le président ou le premier ministre a violé le code de la route. Mais en tout cas, il viole le code de la route. Il viole le code de la route. Tu peux faire la drogue comme dans le sens unique. Et ça a une ambulance. Ambulance, corbillard, je crois. En tout cas, il viole le code de la route pour éteindre l'anti-incendie. Donc, en tout cas, catégorie moi, mais qui est Yami Touka. Sauf notre autorité, sauf qui urgence Mongo Ezali. Peut-être. Mais on ne peut pas vivre dans un pays où n'importe qui viole le code de la route Nengalingi. Non. To sengi na l'État boy pour que tu proposes. Moi, je propose à l'État une chose. Il est temps de faire un recyclage. Il est temps d'organiser 3 journées d'études, 3 journées de renforcement des capacités. Les motos ne peuvent pas circuler sans permis de conduire. Il faut un permis de conduire qui va faire office. Il y a permis, il y a identification dans Bango. Il faut que l'on reconnaisse, qu'on reconnaisse le chauffeur, le taximène, pardon. Il faut donc reconnaître un taximène, on a un numéro d'ordre naïe. Avotambola nango na moto naye plaque d'immatriculation naye c'est la plaque d'immatriculation que l'on trouve na ba document ya moto naye neti biso na mutuka ezala ka permis de pardon carte rose ezali na ndenge moko na immatriculation na wana si na immatriculation na yo tout monde appelle la même chose tout monde na moto donc même moto na permis de conduire pouvons nous permettre de relier que ça la traçabilité naye. Ça ne nous coûte pas grand-chose, ce que tout ça dit. Le permis de conduire, ils ont coûté 80 dollars, ou ce qui est combien, pour la bise, bah, tant mieux, tout cas. Bah, ton moto, bah, repère, c'est mon permis de conduire, attend à 30 dollars. Ce n'est pas un problème. On peut donner à 30 dollars, comme ça, on a un grand nombre de gens. On peut même aller leur donner le permis à 20 dollars. Le permis de conduire, on peut le donner comme ça, à 20 dollars. Ça vous permet, vous, de créer une base de données. De toutes les motos, topé de tous les conducteurs de motos, vous avez déjà des aboebi. Vous avez un gaba, vous avez autant, na mongafula, vous avez autant, na okuna, vous avez autant. Vous avez une idée sur Batouana. Mais ce qui vous avez un modèle ou un athée, je me pose la question, vous avez évolué ndengenim. Vous avez fait avancer ma kamango ndengenim. C'est là maintenant le problème. Ce qui nous dérange, c'est à côté Wana. Bon, organiser, réunion, études, encadrement, il y a ma moto Wana. Et tout faire respecter le code de la route, ça ne nous prendra pas une semaine, il y a moratoire. Voilà, peut-être un moratoire. C'est une question, quand ça tombe ce soir, demain les gens appliquent la loi. Avenue Bokassa, avenue Soki Kabamba, avenue Yawileri, avenue Yawatel, avenue Yatel, avenue Tel, Toyokani, que. Moto Bokangi, dans le sens unique, Azofuta par exemple 80 dollars. Moi, je suis dit que les autres sont dans la taxe, dans la amende. Sur notre question, ne blague pas avec les amendes. Parce que si vous avez une amende, vous ne comprenez pas que vous avez une amende. Est-ce que vous savez que sous notre ciel, le fait que vous avez une ceinture, vous avez une amende de 80 euros. 80 euros pour la ceinture. Est-ce que vous avez vu que dans le monde, le fait que vous avez un clignoteur et un clignoteur, c'est-à-dire qu'il y a un problème à feu et daté. Vous avez peut-être 120 dollars, d'autres 100 dollars. Ça veut dire que la contravention, vous avez un salaire, vous avez un bangui, vous avez un salaire. Vous avez violé le code de la route pour la moto, ou violé le code de la route, bambio, par exemple, 80 dollars. Indiscutable. On saisit ta moto. Il faut aussi qu'on dégoûte, hein, parce qu'il faut dire aussi que bah, c'est ça, mon temps va te bêler, va te mettre un mot dans pour rien, hein, bah, saisir mon temps et puis mon temps mon anité. Non. Ça, il faut que la responsabilité pénale, il y a un mot à vivre, quand il y a un mot à battre,
Et ça, les colonnes, et ça, on est irresponsable, on a agi en tant qu'institution. T. Au Kangi, moto un moutou, et pour que moutou a un bon azongi ça, ce qui moutou a un bon go, et que moutou a un bon la personne qui a saisi la moto, n'a pas protégé la moto, ne l'a pas gardé, on doit l'arrêter. Hors de raison, on a marambo belé. Ce qui au Kangi, moutou a moto, $80 pour violer le code de la route. A même trois personnes. Trois personnes. Pas que vous l'arrêtez pour $80. Là, vous l'arrêtez pour $100 et il fait la prison. Même un mois. La prison. Parce qu'on a dit déjà, la moto est pour garder une seule personne. Il faut que et le conducteur et le passager, bango tout va dans la muni, dans le casque. Mais ceux qui vont tamboli sans casque, on vous arrête, vous payez $80. Mais ceux qui vont ici, on t'arrête. Non seulement que tu payes $80, mais tu fais la prison. Moi, 2 mois à prison, comme ça, deux mois à prison. Et toi, éviter le cambouya, ma kanyo la prison, au cœur de la prison, bon, t'es, ma kanyo la prison, allez, ma tindio, la bazamba, ou y'a côté au Congo central, kuna, qu'est-ce que ça, la bilang, pour l'État, qu'est-ce que ça, la ferme pour l'État. On va changer beaucoup de choses, hein. Beaucoup de choses dans Bukana Bissot. C'est-à-dire, on a quelle prison, qui est la prison pas embattée, ou quelle prison, la tindio, par exemple, la maman Emu. C'est vous qui allez nettoyer les latrines de maman Emu. Utilité publique, qu'est-ce que ça, la kuna? Soit la bimi. Avant, tant qu'on a démarré moto, à imaginer maman Yemo. Tant qu'on a démarré moto, à imaginer Makal. Il faut lier les gens à ma sanction. Surtout comme il y a un niveau, vous allez bien. Même la biso, tu as mis tout cas. Ma kanguyo, na moutouka, la même chose. Même biso, ma piéton. Est-ce que vous savez qu'à Dubaï, il y a des pénalités pour les piétons? Na Dubaï, il y a des locaux, ceux qui battent rouge. Battent moutou rouge. C'est-à-dire, yo, rotambolate, mouto, rotambolate. Ceux qui ont tamboli na période d'un an, place policier, qui bimelo, ou rouébate. C'est, il t'arrête et tu payes $60, 80, 50. C'est-à-dire, moi, on comprend que, ah, mais comme compliqué. Et comme compliqué. Et je crois qu'on peut faire ça. On va régler, ma bêtise, tout le monde en zéla. Nul n'est au-dessus de la loi. On ne peut pas dire, parce que, bon, comme j'entends, non, vous avez vous un mboka, oui, mais bateau, ba na mboka, ba ba nyama na binote. Bateau, ba na mboka, ba ba nyama na binote, ba sac, wana de toboy model wana. Toboy model wana. Bozo sunga biso, tondimi. Bozo ba toboy, wana moutouya mingi, tondimi. Mais on ne peut pas comprendre que, vous se comportez comme si vous avez le colo à mibeko. Non. C'est ce qu'on appelle le banditisme routier. Et la délinquance routière doit s'arrêter. Et celui qui doit faire arrêter ça, c'est l'État. L'État ne doit pas se plaindre. J'ai entendu un policier dire, son kangi a l'obéi, on a de quoi président, l'okuta. C'est une fausse excuse. L'okuta. C'est faux et archi faux. Quand quelqu'un commet une infraction, c'est fini. Frère, cousin, ami, militant, ça n'a plus sa place. La place de la personne, c'est devant son juge naturel. Aidez-nous, mesdames et messieurs, à faire bien ce boulot. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément, la carte de Washington. Balobi, maman Marthe, née. Maman Marthe, née. Balobi, shop. Africa Union. Mais toi, t'es un gnosso. Biloko, y a un congolais. On y dit, n'est-ce pas, la yo. A ça, il s'agit de te. Bon, la colère, la yo. Mon copain, bon, la yo. Bon, la toto, la yo. Bon, la yo. Bon, la yo. La yo. Balobi, bio. Bio Africa Union et toi t'es tout à coup on a pas sinon vous voyez pas sinon vous voyez rien. Mais quand on a dans le teka, dans le teka, il y a mboka, il y a fraise, il y a bio, bio na bio, si on a mambayo, pour la monkanja isali. Barobi njombo et ali. En kuba paniwa. Barobi njenge isali. La komba kanga yeshu, en mboto ya mbisela. Barobi nyama ya mbosu, nyama kombo se saga ne. Kala ngando ne galari na basi. Oye dike, na sutu. Eza kodia na peti. Kwa mama mbande. Pour pas comprendre, Mawa. Pas congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pour
bona kolia na bino moko ba bona na bino kalino kolia na apeti Kimya pana kumbo.